Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Hyrule Warriors l'ère du fléau. Et non, toujours pas de DLC pour l'instant. On se concentre d'abord sur tout finir sur le jeu principal avant de s'élancer sur les DLC. Et d'abord, on va commencer par ceci. Je pense le plus compliqué à avoir. Ah, à chaque fois je me fais avoir quoi. Oh. Allez hop. Et on part au combat. Ça va être folklorique. Bon, peut-être qu'il s'en sort mieux sans... Comment dire ? Sans avoir à tuer un nombre précis d'ennemis. On verra bien, on verra bien. Franchement. Youpi ! Bonjour ! Éliminez tous les ennemis. Oups. Oh. Aïe. Bah, on se sent plutôt bien. On a éjecté à 3 km. Hop là. Ok. Prochain nano gardien. Comment je l'enchaîne? Vite, vite. Oh non, dommage. Ouais, voilà. Yes, il a touché l'autre à côté. Qui est parti à 3 km, donc... Pardon, il le fait tout seul. Il est plutôt pas mal contre les gardiens, lui. Hein ? Bon, viens là. Non mais te barre pas! Bon. Comment je fais moi pour battre EO? Par comme ça on est en mode bourrin. Ah, il y avait un mur. Ah, oh, j'y crois pas. Oh, je suis que c'est une patte. Mais quoi? Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai dit esquiver au bon moment. Yes. Allez. Ok. Ça c'est fait. Gardien de la rancœur. Encore du timing. Je sais pas si c'est... Plus...
Tout ça. Oh, il descend bien, ça. Ça jauge. On est trop petit. Il est trop petit. Hop. Oups. Mince. Aïe. Ah, on s'est quand même fait avoir. Mais pourquoi t'es sauté en arrière? Si tu veux plier sur B sans faire exprès. Et on le finit comme ça. Voilà. Ça c'est bon. C'est un bon gardien contre gardien. Il est petit mais puissant. Confrontation de gardiens. Plus on est pile poil dans les temps. On commence déjà à voir des choses pas mal. Yeah. Alors, je suis en train de me demander ce qu'on va faire au prochain. Que va-t-on faire? Hop. Et de neuf. Hein? Bonjour. Non! C'est pas possible. Du coup, il m'en faut 10. Désolé, mais tu passeras après les autres. Hein, d'accord. Il faut... Non, il m'en faut 15 maintenant. Enfin, maintenant il m'en faut 14, mais bref, passons, parce que c'est quoi ça? 67, destruction des ombres, encore? On va d'abord faire ce qu'on devait faire avant, hein. Protection d'un être cher. Hop. Ouais, on va quand même se mettre une petite Je me demande quel coup ça. Petite brochette anti-foudre. Voilà. Très bon. Et on part au combat. Et elle est niveau 67 pour autre chose. Vous verrez. Que j'ai un peu prévu là. Si on est rapide sur cet épisode, normalement ça devrait aller pas mal. Hein. Ça devrait pas être mal. Donc alors, bonjour, que dois-je faire? Protection d'un être cher. Sauver le capitaine Zora. Attends. Bonjour! Il y en a trois! Bon sang! J'avais pas vu! Mais pourquoi est-ce qu'il m'a mis sur le plus. Celui qui était le plus éloigné, d'accord? Ah! Aïe! Tout le monde se calme! Oh, ils sont tous énervés là! Oh. Allez, un de moins, ce sera ça fait. Ok, stop!
tout le monde se calme. Putain, tout le monde s'est calmé sauf celui qui devait se calmer. Non mais franchement. Je vois pas ce qu'il fait l'autre. Je veux avoir un visuel. Ah punaise. Je te calme. Hop, voilà. Il est un tout petit peu dedans l'autre à côté, il s'est pris un peu l'air. Tu te calmes. Voilà. Allez, allez, lalala, oui. C'est bon? T'es content? Bref, au suivant. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Excusez-moi, mais j'ai pas le temps, j'ai dit. Oh, c'est dingue, ces gens là. Vous avez vu le strike que j'ai fait? Ça c'est beau ça. J'étais dedans. Sur lequel suis-je? Je suis sur l'argent, ok. Boum. Quoi, midlife? Pardon? Calme. Fais chier. Il était juste à côté pourtant. Hop là. Et mon dernier. Ça va, toi niveau vie, t'es tranquille. Oh. Ok, je peux encore battre. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, ils sont là les monstres de foudre. De foudre. Et des Link. Ah bah forcément l'être cher c'était soit Sidon, soit Link. Hein. Hop là. Je l'ai vu. Ouh, contre un. Excusez-moi, je prends un peu de... Attendez, on va tous se calmer, hein. Tout le monde va se calmer. Descendu assez rapidement. Attendez. Voilà, je me soigne un peu comme ça. Surtout que Link, ça va Link quoi, il est en pleine forme lui. Hey, il est dans sa tenue. Il est dans ma tenue. Et voilà. Ok, on est à 15 minutes d'épisode.
Donc on va pouvoir enchaîner sur un autre. Et en plus elle augmente, c'est pas beau. Et on a l'armée ensemble. Je vais vous la montrer quand même. Une fois complétée, si vous ne la connaissez pas. Allez, un de plus, un, non. Alors. Link. Montre-moi de quoi tu es capable. Link. En armure Zora. Voilà. Cette armure a été réalisée sur mesure par une princesse Zora pour l'élu de son cœur selon la tradition. Mince. Avez-vous vraiment le droit de la porter? Vu qu'elle a été faite sur mesure, que c'est une tunique pour humains, bon. Bon, foncez des portes ouvertes, mais elle y va étrangement bien, Link. Ah, je me trompe toujours. Bref, remettons notre petit... donc on avait dit... Hop, petit verre. Et... hop là. Voilà. Alors. Prochain niveau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, les melons, c'est pas grave. Non, mauvais truc. Alors, concours de Miss Bai. Alors, on peut prendre qui on veut. Pas Mipha, ça c'est sûr. On va prendre Zelda. Je mettrai mon pouvoir au service de tous. Tant mieux pour toi. Honnêtement, je suis contente. Comme c'est appétissant. Du coup, on en a combien ? 17. C'est délicieux. Allez. Bon. J'espère que ça va pas non plus durer trop longtemps ce concours de Miss Bai. Désolée. C'était plus. Je saute, je saute. Bah. Il s'est arrêté brutalement de sautiller. Je sais pas pourquoi je cours pas là parce que. Je défile. Je défile à Impa. Donc le concours de Miss Bai, en fait, c'est un combat. bah oui, c'est les Gerudo, les bourreaux, c'est des. Femme guerrière. T'es pas dans le bon anime, mais... Oh si, par contre. Je l'avais pas vu. Ouh, elle s'est fait écraser. C'est pas obligé de la coller, hein. C'est elle qui allait la coller toute seule. On l'a descendu rapidement, la pauvre Impa. Elle s'est fait défoncer, désolée, Impa, c'était pas voulu. Vous avez vaincu Impa. Y'en pas ça. Y'en pas ça, on va peut-être pas se battre contre les sur les escaliers. Ce serait peut-être une bonne idée. Viens là, viens là. On a détruit tous les armes, mince. Hop. Oh non. Elle l'a one... J'y crois pas. Rijou. T'es un peu loin là, ma grande.
Aïe! C'est vrai qu'elle est... Elle a une grosse portée! Merde, y'a Mipa qui se la ramène aussi. C'est vrai qu'il faut faire attention à Rijou. Hop, 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 vite, 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 avant qu'il passe la ramène, vraiment. Hop. Ouh. Allez, Mipa. À toi. Mais, oh, tu vas où? C'est des trucs chelous. On va se battre avec les grandes fées. Une grande fée qui s'appelle Terra. C'est la plus vieille, je crois. Comment elle se fait défoncer? Ouh, elle aime ça. Regardez-moi tout ce qu'on lui enlève. C'est peut-être par rapport à notre réel... J'ai bien fait de prendre Zelda. Oh, moi. La prochaine, la prochaine, la prochaine. Link, bah qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous déjà dans... D'accord. Ah, Link, il est un peu plus difficile. Hein. Ah, je le voyais pas. Si c'est elle là, faire tout plein d'éclairs. Aïe. Tout, faire tout plein de colorés là, comme ça là. C'est la seule façon qu'il a trouvé de rentrer dans la cité. Je me disais, qu'est-ce qu'il fout dans la cité Gerudo? Oups. Hop, 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 hop. Aïe, 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 tu fais mal. D'où tu oses t'en prendre à Zelda? Mon méo, toi, Link! En prendre à Zelda! Ça a beau être un concours! Ah, j'avais pas vu. Je pense que ça va être le dernier. Ça a beau être un concours de beauté, désolé, mais. C'est moi la plus classe! Non, mauvais. Très chaud. Vas-y, fais monter. Du coup, il va pas toucher. Non, mais je l'ai fait monter. Il m'a pas touché. C'est bon. Tout va bien se passer. Hop là. Je te fais piquer ton arme. Vous avez remporté le combat décisif de Miss Pie. Par contre, on a défoncé tous les palmiers. Oh, on va pas avoir assez de place. Alors, ça c'est de la daube. J'enlève un peu les vieux trucs. Voilà. On a eu 3 et on a le corsage. On est à combien? 25 minutes d'épisode.
Ça va, tranquille. On est large. C'était plus rapide que ce que je pensais. Ou si Zelda, elle les a maltraités. Oh, c'était d'une violence. Et du coup, comme on a pris Zelda, on s'est pas battu contre Zelda. C'est pour ça qu'on s'est battu contre Terra, la grande fée. Parce qu'on avait pris Zelda. Voilà. Si on avait pris quelqu'un d'autre, on se serait fait égorger par Zelda. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était comme vous montrer notre jolie petite Link. Voilà. Ce voile porté par les Gerudo protège leur visage du soleil du désert, mais ne constitue pas une protection très efficace contre les monstres. Ce vêtement de Gerudo est très populaire pour sa légèreté qui favorise la circulation de l'air, ainsi que ses motifs traditionnels. Ce pantalon court et confortable est typique du style traditionnel simple et naturel des Gerudo, mais n'en reste pas moins élégant. Voilà. Donc remettons notre petite tenue. Hop, bah du coup il est là. Je crois que niveau tenue, on commence à être pas mal parce que là on a la tenue Lienne, ça, la tenue Piaf, ça, les deux tenues du désert. Topaz, il nous manque juste le pantalon, ça on a en entière, ça on a en entier. Ça il manque le pantalon, ça il manque le haut, ça on a en entier. Ça, il nous manque les bottes des neiges. On a tous les masques de Kilton. Ça nous manque juste le haut. Et on est bon, hein. En fait, c'est par rapport à... Voilà, au niveau de contribution. Il manque aussi les boucles d'opale. Bah, là, voilà. Les bottes des neiges, elles sont là. Le pantalon Sheikah, il est là. Le haut, il est là. Le bas. Oui, il manquait aussi le masque du tonnerre. Voilà ce qui nous manque, normalement, on les a à peu près. Hein. On clignote. Ah oui, parce qu'on est 5. Excusez-moi. Oh. Hop. Comme ça, c'est fait. Mon charme naturel a encore augmenté. Pendant que vous mangez votre banane, X, vos sous-fifres combattent à votre place. Oh, c'est pas mal. Du coup, elle est où la madame? Est-ce qu'il y a toujours la madame... C'était là, les installations. Est-ce qu'il y a toujours la madame au melon? Que du coup, je vais lui acheter parce que on n'en a pas gagné tant que ça. Je pensais qu'on aurait gagné plus. Hop. C'était vraiment impressionnant. Ça, c'est... Du coup, il nous manque ça, ça et ça, les deux là. Il manque des fragments, des pierres célestes. Et elle, il lui manque un fragment d'étoile. Où on obtient ce genre de choses? Bref, du coup, nous on va se laisser là. Hein? Il nous reste pas tant.
tant de choses que ça. Bon, il y a lui. Si je peux le faire avec n'importe qui, c'est bon. Du coup, on va se laisser là. Parce que ici, ouais, ce qui nous manque, c'est vraiment ces trois-là. Ici, 91. Il manque un truc. Un seul truc, ça doit être un truc pour Terraco. Ou c'est ça, je sais pas. Ici, 96. Mais c'est quoi? C'est ce truc-là? C'est très bizarre. Non, parce que c'est marqué terminé, donc on l'a déjà eu. Ici, 95, il manque encore un truc. Ici, 94. Ouais, c'est ça. T'en as déjà eu. Celui-là, on a déjà eu. Toi, 91. Ouais, il manque quand même des trucs, hein. Peut-être par rapport aussi au Korogu, je sais pas. Parce que là, j'ai rien du tout. Bref. On va vraiment se laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ainsi activer la petite clochette. Ainsi qu'activer la petite clochette, c'est peut-être mieux dit comme ça. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, voire à partager carrément cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi parler de la chaîne autour de vous. Encore merci et on se retrouve la prochaine fois. Bye.